Bande d'enfoirés, de fils de pute, c'est moi qui décide si vous êtes gentil ou pas. Putain, il s'est grave emporté, hein. Tout le monde est très sympathique dans le chat. On a un yo, mec, ça va ou quoi? Yes, yes, live. Comment ça va? Tout le monde est super sympathique dans le chat. La seconde après, putain, bande d'enfoirés, de fils de pute, c'est moi qui décide de qui est gentil ou pas, là. Une bipolarité, là, c'est incroyable, hein. Ça va vite, ça va très vite, là. Comment ça va là? Vous connaissez le concept les gars, il y a plein de youtubeurs qui le font déjà. Tribunal des bans sur Twitch, des gens se sont fait ban sur ma chaîne il y a des semaines, des mois parfois. Et ils peuvent faire une demande pour se faire déban. Et du coup on analyse tout ça ensemble. Vous allez voir c'est bien marrant, il y a des mecs qui sont ravagés du cerveau, ça va? Bref, bonne vie à tous, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, activez la cloche. Et surtout venez me rejoindre en live sur Twitch, le lien dans la description. Oula, putain ça commence bien. Bon on remonte du coup à 8 mois les gars, mon dernier tribunal des bans remonte à plus de 8 mois je pense. Bienvenue à cette séance de tribunal des bans. J'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, nous avons des petits et rigolos, comme on peut le voir dans ce pseudo par exemple, qui malencontreusement, par erreur peut-être, étaient bannis. Du coup, il s'agirait de corriger cette erreur ou bien justement d'être sûr et certain qu'ils soient ban à vie. Alors, le premier, Théo le rigolo et le plus beau MDR. Attends, on est ok que le mec cheat clairement. Je vois ça, Kigounine, ça banne JPB, je suis pas content, c'est pas pro. Free JPB. Oggy il en a eu marre, il s'est dit putain nique sa merde. 600 secondes. Et ensuite il revient, je lance une pétition. S'en bat les couilles putain. JPP le lécheur de téton. Oh là là, c'est mort. On va pas aller plus loin. Rejeter le bannissement, évidemment. Rejeter la demande d'annulation de bannissement, c'est rejeté. Oh là là putain, un gros classique aussi hein. Vraiment, et vraiment arrêtez. Les gens qui viennent sur les lives pour dire et regardez, et oh je live. Venez je live là-bas là. Cliquez sur mon pseudo, venez voir mon live. Ça ne marchera jamais de la vie, ça marchera. C'est rejeté évidemment, c'est non. Vraiment c'est non. Waouh putain, je pense que vous avez raté un live de fou les gars ce jour là. Rayman, wesh, your mother is a dog. Désolé je suis navré, je recommencerai plus jamais. Qu'est-ce que je fais avec lui là? Non déjà j'accepte pas ses excuses hein. Tu peux pas être désolé, je me suis laissé emporter. À quel moment tu te dis putain je me suis laissé emporter sur un chat Twitch? Il a juste dit wesh your mother is a dog. C'est pas juste ça a été genre crescendo. Ça a commencé à s'embrouiller, ça fait 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Non c'est passé de wesh à your mother is a dog. Tu t'es pas laissé emporter mon pote. Juste c'était gratuit là. C'est ban, c'est rejeté là. Your dad is a frog. Alors Riton, t'es un cheater toi aussi. Mais bien réglé ton cheat toi. Lol, non je constate juste. D'accord. Full wallack. Et analyser bientôt une vidéo YouTube sur physique de la part de surprise. Waouh. Merde. Putain j'ai peur. Il y a une vidéo sur moi là. Oh putain je me sens pas bien. Oh je me sens pas bien là. Oh là là. Je pense qu'il y a une vidéo YouTube qui traîne sur moi les gars. Il y a full wallack là. En plus mon cheat il est bien réglé. Il a dû grave me griller. C'est dommage. C'est dommage. Je pense que là ma carrière de streamer c'est terminé. Rejeté. Merde. Je suis grave dans la sauce si le fameux youtubeur Riton enquête sur moi. Bizarre, ça date d'il y a 8 mois et toujours rien. Sacrée enquête, inspecteur Navarro. Les modos, je vous mange vos grosses mams. Ok, donc je le banne, il met je ne t'aime pas. Moi j'aime bien ta grosse mams. Je lui bouffe le gros fiac. El Barjo, ça me dit quelque chose El Barjo. Mais oui putain, journaux du chat, il a pas mal parlé hein. Kigou, son ego surdimensionné a été touché. Kigou, mine de rien, tu viens et tu fous la zizanie. Tu viens en privé pour m'insulter quand tu veux, on se voit, je te casse tes dents. Ah t'as été trop loin hein. T'as été trop loin El Barjo hein. Bah ouais hein. Ah bah ouais hein. Ah il faut pas menacer les gens de tabassage gratos là hein. C'est quoi ça? Je te casse tes dents là. Désolé pour ce vilain message. Ouais mais bon. Bon après c'était vraiment un mec ultra actif hein, je me souviens hein. Le mec était méga actif avant hein. 404 messages, ouais c'est énorme hein. Il a juste pris un ban de temps. Vas-y je pense que je vais le déban les gars. Tiens-toi à carreau la prochaine fois. Et pas d'insultes ou de menaces envers un streamer ou un membre du chat. L'Apicorp. Alors Ekinria du coup. En même temps tu es nul. Tu es nul. Tu es nul, tu m'entends? Apparemment je suis extrêmement nul. Nul. Non mais en fait désolé, je suis sincèrement désolé. Non mais tu te fous de ma gueule. Le mec m'est nul 4 fois d'affilée. Y'a aucun doute là dessus. Je pue la merde. Et juste après il met je suis désolé mec. Vraiment je l'ai juste écrit 4 fois d'affilée. Mais je le pensais pas en fait. Mon excuse est vraiment nul. T'es nul. Alors
t'es nul. Voilà, putain, j'en ai marre des gens qui me disent que je suis nul là. Je pue la merde ou quoi là? Joue à Rocket League, c'est mieux. T'es nul, humour, chute. C'est pourri l'ASMR, chacun ses goûts, mais bon. Non, oui, non, oui, non. Également, soir, tout d'abord, je comprends mon bannissement. J'ai trop parlé pour souvent dire que des sottises. Des sottises! Putain, le mec a 70 ans. Ainsi, je vous fais part de mes excuses d'avoir eu un comportement maladroit durant le live. Je réfléchirai davantage avant d'écrire un message. Je ferai en sorte qu'il soit utile cordialement, viewer, pas comme les autres. En vrai, il s'excuse bien, les gars. En vrai, il s'excuse salement bien là. C'est des bannes, hein. C'est ce que je me dis aussi. C'est des bannes. Je joue plus avec Thomas Kiki. Ménage à la Nicki Minaj. Oh là là. Il y a un mec qui vient de se faire tirer dessus devant chez moi. Topin, mais gros, il est ravagé lui. Hein. Il est ravagé sa mère, lui. Hein. Mec, en l'espace de quelques secondes, on passe de ménage à la Nicki Minaj. Tu joues plus avec Thomas Kiki. 5 minutes plus tard, 2 minutes plus tard, il dit ouais, il y a un mec là, maintenant là, il y a un mec qui vient de se faire flinguer devant ma fenêtre. Ensuite, 11 minutes après, il a oublié. Il me dit tu fais Topin sans largage. Et ensuite, 3 minutes plus tard, il regarde dans son slip, il fait putain, j'ai une grosse bite. Voilà. Et ensuite, il est bas. C'est terrible. Hein. Il s'en passe des choses, hein. C'est incroyable. J'avoue que j'ai abusé dans le chat. Pouvez-vous me débannir? Je vous promets que ça arrivera plus. Mec, t'es ravagé. Hein. Je t'ai pris un coup de physique. Qu'est-ce qui est rapide comme l'éclair? Joue 2 lance-roquettes. Oh là là, putain, je comprends. Je sais pas. Je fais quoi avec lui? Il est vraiment con. Hein. C'était il y a 7 mois. Peut-être qu'il est moins con maintenant. Vous bannez? C'est vrai qu'il est vachement con. Vas-y, c'est bon. Physique, tu pue la merde. Excusez-moi, j'ai dit ça pour rigoler. Putain, vraiment, j'ai dû être mort de rire. Hein. Le jour de mon anniversaire en plus. Mais quel connard. C'est le jour de mon anniversaire, le 23 août. Le mec me dit, physique, tu pues la merde avec une faute à physique en plus. Et genre, après, il dit, excusez-moi. Mais mec, non, je t'excuse pas en fait. Arrête de faire ta diva, il est legit. On banne pas une personne gratuitement. C'est vrai, c'est gratuit là. C'est vrai, t'as été vite là. Franken, t'as été vachement vite. Et vraiment, Franken, sur la détente, il est d'une rapidité. Commentaire de Modo. D'où il me traite de débile après avoir dit que physique faisait sa diva. Ce serait d'abord tout à fait tort, mais t'aurais pu mettre un petit 600 secondes, Franken. Hein. Un petit 600 secondes, ça aurait été pas mal, tu vois. Non, il a été un peu trop rapide. J'avoue, Franken, c'est un peu le Lucky Luke du ban. Allez hop, j'aime les pénis. Ta gueule. T'es là-haut. C'était mon frère. Oh là là, vas-y, j'en ai marre. Et vas-y, non, vas-y, c'est bon. Rejeté là. J'en ai marre des frères là. À gauche. À gauche. Il est à gauche. Tu m'entends pas. Tu m'entends pas. Il est à gauche. Est à gauche. Oh, oh. À gauche. À gauche. Putain! Je lui dis que le cheater était à gauche dans la liste. Ah, c'est juste pour ça. Non, mais ça va, on va le déban si c'est juste pour ça. Ok, bro. Mais spam pas la prochaine fois. Et je fais l'éducation des gens. Bande d'enfoirés, de fils de pute. C'est moi qui décide si vous êtes gentil ou pas. Putain, il s'est grave emporté. Hein. Tout le monde est très sympathique dans le chat. On a un yo, mec. Ça va ou quoi? Yes, yes, live. Comment ça va? Tout le monde est super sympathique dans le chat. Hein. La seconde après. Putain, mon enfant est le fils de pute! C'est moi qui décide de qui est gentil ou pas! Une bipolarité là, c'est incroyable, hein. Ça va vite, ça va très vite là. Pour pas mon bannissement, sûrement un modo qui a misclick. Je demande qu'on me présente des excuses car c'est inacceptable. Ah ouais, carrément, ouais. Mec, c'est. Oups, misclick, je voulais te déban. Je crois. T'as des soucis au niveau de tes lunettes? Tu penses parler à ton père ou à un chien? On m'a dit que Thomas était con et prétentieux, mais toi vraiment tu dépasses et de très loin. Ok, ça présente autant de connardises dans une seule et même personne. Tu es un vrai cas, toi, juste ta gueule, on dirait que tu as. Deux trous du cul, bordel. Putain, j'ai dû grave l'énerver, hein. Je sais pas ce que je lui ai dit, hein. Ah, il parlait peut-être à un viewer, ouais, c'est plus logique, ça. On va lui mettre juste OK. Alors, physique, écoute-moi. Oh! Et mesdames, messieurs, si vous voulez, je peux vous faire oublier cette orthographe. Attendez, regardez, regardez ici. Regardez là. Here. Attendez, je vais oublier aussi, moi. Ok, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Ah! Merde! Écoute-moi! Ah, je suis désolé! Il faut que je l'enlève avant! Pourquoi je suis ban? Je faisais une blague pour animer le chat. Putain, je suis mort de rire! Regardez bien le truc, les gars, c'est bon. Hop! On en était où? La coiffure, c'est pas possible. Non, mais attendez là! Pas possible! Bon, après, là, je me suis pas coupé les cheveux parce que je me laisse pousser de mulet, mais. Mais quand même, ça va! Ça va, les gars, oh! Pourquoi ça commence là, hein? Là, le triangle de Vegeta, là, il commence là, hein? C'est ma coiffure, là, putain de merde! La coiffure, c'est pas possible! Mais lâchez-moi là! C'est une simple vanne, aucune méchanceté! Mais c'est pas une vanne! La vanne pour ça! Mais oui, mais évidemment là, ma coiffure! Une simple vanne, aucune méchanceté! En plus, je pense que quand j'avais fait ma colo. Et j'ai douillé pour faire ma colo, du coup j'étais pas content. Bon allez, annuler le bannissement. Je suis beau. Et j'ai des cheveux soyeux. Alors comment, souilleux? Alors là, pff, non, c'est pas la même chose. Oh, j'ai écrit souilleux au lieu de soyeux. Comment on écrit soyeux? Soyeux, brillant et éclatant. Ça va là? C'est bon, allez, c'est le dernier les gars, c'est le dernier, après on arrête. Vu ton niveau, pourquoi un VPN? T'as des crottes de nez, fais pipi. Dès qu'il y a pipi, crottes de nez. C'est sûr, il a moins de 14 ans, gros, 100%. 50 subs si tu lèches les deux, si tu lèches les deux boules d'un mec. Ouais, ça on connaît. Des merdes. C'est vrai que je me suis coincé la teub dans la braillette. Oh là là. Maurice la terreur. Oh.
Oh, le pseudo, mec. Maurice la terreur. La seule terreur, en réalité, c'est... Il est peut-être la terreur de la cour de récré. À la limite. Il y a sa photo. Non, ça peut pas être sa photo. Ça peut pas être sa photo. C'est une photo troll. Lui, c'est mort, hein. Il a 12 ans et demi, hein. Ma bite, c'est un The Event de Wish. Oh, il parlait du TVG. Oh, mais quel chien. Quel énorme chien. Putain, c'est un event caritatif. Et il fait la comparaison. C'est un event caritatif. On est là pour récolter de l'argent pour une association. Et le mec, il commence à comparer les tailles de bites. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. MDR, désolé, les gars. Non, mais ta grand-mère. Arrête de comparer les tailles de tub. C'est un truc de fou, ça.